L'agent commercial est un mandataire chargé de façon permanente et indépendante de négocier et éventuellement de conclure des contrats d'achat, de vente, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d'autres entreprises. Il peut être une personne physique ou une personne morale. L'agent commercial est donc différent du mandataire d'intérêt commun qui ne négocie pas les ventes et du commissionnaire qui agit pour le compte d'autres entreprises, mais en son nom propre. Agissant de manière indépendante, l'agent commercial n'est pas sous la subordination de son mandant et est donc libre dans l'organisation de son entreprise. Il peut notamment à ce titre choisir sa structure juridique, ses méthodes commerciales et recruter son propre personnel. Agissant au nom et pour le compte d'une entreprise, l'agent commercial exerce une activité civile et est soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il ait décidé, pour exercer son activité, de constituer une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La rémunération de l'agent commercial, librement fixée par les parties, est généralement constituée de commissions sur les ventes réalisées grâce à l'intervention de l'agent. S'agissant de son statut fiscal et social, l'agent commercial pourra, s'il en satisfait aux conditions, bénéficier du régime de vendeur à domicile indépendant. Enfin, le contrat d'agent commercial étant un mandat d'intérêt commun, toute cessation du mandat entraîne l'obligation pour le mandant d'indemniser l'agent commercial, sauf faute grave de ce dernier. Le montant de l'indemnité variera notamment en fonction de la durée des relations entre le mandant et l'agent commercial et du montant du chiffre réalisé en exécution de ce contrat.